Là-bas, de la lumière. On y est. On y est, Hugo. Je veux pas qu'elle soit morte. Hugo. Je veux qu'elle revienne. Amicia, on n'ira plus jamais à la maison, alors? Non. C'est trop dangereux. Il y a des rats aussi, là-bas? Peut-être. Je sais pas, Hugo. J'ai peur qu'ils nous trouvent quand il va faire nuit. On sera à l'abri chez Laurentius. Allez, viens. Là-haut, un moulin. C'est la ferme de Laurentius? J'espère. J'ai jamais vu un vrai moulin. Si on reste prudent, tu en verras un très bientôt. Amicia, regarde! C'est un de ceux qui ont attaqué la maison. L'Inquisition. Ils sont là. Comment ils font ça? C'est des animaux, bordel! Qu'est-ce que j'en sais, moi? J'ai l'air d'un rat, peut-être? Tout ce que je dis, c'est qu'on se débarrassera pas de ces nids avec de la chaux. L'important, c'est qu'on soit parti quand le soleil sera couché. La nuit, c'est leur territoire. Allez, j'y retourne. Dis rien comme bruit. Non, rien. Y a rien du tout. Amicia, regarde! Il y a un pont qui va vers la ferme. Ça rime à rien, tout ça. Le grand inquisiteur devrait nous dire ce qu'il attend vraiment de nous. Avec le deuxième barrage, plus personne ne passera. On est piégé. Il y a un trou dans le mur. Je passerai pas. Tu vas devoir y aller pour ouvrir la fenêtre. Mais ils vont le voir. Je vais les occuper. Fais-moi confiance. Reste ici. Et pas un bruit surtout. Je t'attends. Allez, j'y vais.
Garde, des intrus. Il n'y a pas 36 façons de se cacher. On va trouver. Oui, à moi maintenant. Hé, hey, on nous cherche, je crois. Fouillez les environs. Bravo. Il faut qu'on parte, tu peux venir. J'arrive. Oh non, ils ont fermé l'accès à la ferme. Dites au seigneur Nicolas que la route est fermée. Toute personne ou véhicule qui passerait par ici doit être arrêtée et fouillée. On cherche qui exactement? Un gamin de 5 ans, Hugo de Rune. Cheveux marron, les yeux bleus. Est-ce que tu parles de moi? Le seigneur Mais pourquoi? Chut. Non, c'est pas le genre de capitaine de la garde pourpre de les prendre vivants. C'est impératif. Le seigneur Nicolas tient ses ordres du grand inquisiteur lui-même. Alors, ouvrez l'œil. Il y a un garde. Oui. Étrange. J'ai entendu quelque chose par là. Attention, redescendant. Oui. Rien. Ça va me simplifier la vie. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ils me cherchent? Tu n'as rien fait. Ce sont eux, les coupables. S'ils nous attrapent, est-ce qu'ils vont nous faire mal? Ils ne vont pas nous attraper, d'accord? D'accord. Hugo, tu es où? Oh, Hugo, ça me fait pas rire. Bou, Hugo, t'as eu peur? L'Inquisition est ici, Hugo. Tu veux qu'il t'emmène? Ne refais plus jamais ça, tu as compris? Bon, d'accord.
Ils sont là. C'est un saint. Il nous sauvera. Hé, les cochons. Du Seigneur Nicolas. Cachez-vous, c'est dangereux. On a tous un rôle à jouer. C'est enrôlé pour ça. Ouais, c'est vrai. Ne doute pas, mon frère. J'ai vu l'un des nôtres tout à l'heure sur un chemin. Il était mort. On l'enterre pas. Il était mordu? Ouais. Et tu l'as touché? Non. Tant mieux. Parce que si un rat te mord, il t'empoisonne le sang au point que t'as des cloques partout sur le corps. Et tout le monde autour de toi peut l'attraper et en crever. C'est ça, la morsure. Bon. Ben, il restera où il est. C'était quoi ce bruit? Toujours rien. Ils attendent quoi pour sonner le retour au camp? Il fait presque nuit, bordel. Bon, c'était rien. Ils peuvent plus nous voir, hein? Non, c'est bon. Passe, je vais t'aider. Oui. Bizarre. Allez, tu te reposeras quand on arrivera chez Laurentius. Ma tête, ça fait mal. Je sais pas ce qu'il faut faire, Hugo. Elle faisait quoi, maman? Elle me donnait un remède. Je vais te porter. Je peux pas faire mieux. Allez, grimpe.